je vais te traiter. Oh, je t'ai dit et je te redis, j'étais bloqué partout. Et le tout-ci, même ton grimba que tu m'as envoyé, qu'on pratique sur moi au village. Le tout-ci, tu as compris? Tu peux faire peur à qui? Une gringo comme moi. Je te connais depuis. Je t'ai dit et je te répète encore. Personne ne te manipule. C'est parce que hein, toi, tu es une grande manipulatrice. J'étais bloquée partout. Ça te fait mal. Je t'ai dit et je te redis encore que tu es le genre de personne qu'on n'assume pas même le bonjour. Et je ne vais jamais... Tu peux dire ce que tu veux. Moi, Fleur de Lille, la maman, la PDG internationale, je n'assumerai jamais ton bon jusqu'à la terre finisse. Je ne te connais pas. C'est ça qui te fait mal. Tu te connais où? I don't know you. J'ai dit que... Hein, viens faire l'autre direct à visage découvert. Tu es la star. Je t'ai dit et je te redis et je te répète encore que tu es le genre de personne qu'on salue dans le noir. Tu as compris? Je t'ai dit et je redis encore. Il n'y a rien que tu peux dire que ça me fait trembler. Tu sais pourquoi? Parce qu'avec toi, quand tu ne mélanges pas les gens, si tu veux t'adresser à moi, hein, ne dis pas que tel, c'est monté, c'est descendu parce que c'est ton travail. On te connaît. On te connaît. Maintenant, je te demande donc les preuves. Hein? Je vais te demander juste quelque chose. Tu veux qu'on t'assume? On assume les cacas comme toi. On assume les saletés comme toi. Une femme qui a les poux sur les chaises. Tu t'assures, il y a les poux. Ça veut dire que les puces en bain. Je t'assume quoi? Je suis star. Tu penses ce que tu peux dire sur moi? Donc finalement, toutes les cocos, les cocos Mimbang. Toi, tu es coco Mimbang, les sputes. Je n'associe pas ton village. Parce que quand tu fais, tu ne parles pas au nom des Bamoun, tu parles à ton nom. Je t'ai dit depuis des années que. Je t'ai dit depuis des années que. Tu as entendu? L'acte là, je vais poster sur Facebook. Et cet acte là, les gens vont aller vérifier. Tu mets d'abord mon nom sur le nom de ta fille, pourquoi? Je suis qui pour toi? Et t'es enceinte sur le père. Hein? Je t'ai dit, tu ne parles pas au nom des Bamoun. Tu parles à ton nom propre. Tu as entendu avec quoi? Hein? Tu manques tellement dans ta vie que je ne sais pas. Tu as compris? Tu voulais. Tu veux mélanger Choucré. Il n'est jamais proxénète. Ce que tu racontes là, c'est les conneries que tu racontes. Tu es sérieuse, toi? Donc, tu as. Ça veut dire que toi, tu es tellement une putana. Ça veut dire qu'une putana que tu fais ta pute, tu veux coller à tout le monde. Mon frère, si tu appelles un appartement, le propriétaire est censé savoir ce que tu fais là-bas dedans. Et tu arrives, tu veux faire le chantage. Quand au Cameroun, tu appelles partout. Quand il est sa maison, il connaît ce qu'on manipule dedans. Et langue noisoute. Tu as compris? Je te parle le matin, je te parle à visage découvert. Je suis ma faute. Tout ce que tu dis là, les racontages que tu racontes là, tu es une femme. Tu as compris? Je suis une lionne. Tu as compris? Ce que tu racontes là, tu vas fantasmer sur moi toute ta vie. Tu vas sauf que te branler avec mes anciens caleçons qui n'ont plus mon odeur. Tu as compris? Je suis pas une lesbienne, moi. Tu es sérieuse, toi? Mais j'ai rien contre eux, hein. Tu veux te coller à moi, mon frère. Tu veux te coller à moi. Ça dit que, mais mon frère, je suis en couple de quoi? Toi, tu parles de quoi? Si tu assumes ta vie de sim, de frottage, je t'ai dit que
Je ne suis pas lespute. Je n'ai rien contre les gays. Et même si je l'étais, tu n'es pas le genre que je peux présenter que où c'est le gars ou que voici mon gars. Tu es trop sale. Tu as compris? J'ai dit que tu es trop sale pour être une femme que je peux présenter que voilà la personne qui me... Je t'ai dit, hein, et je te redis encore que j'ai appuyé play. Quand tu vas finir de parler, tu vas parler encore de quoi? Mais viens parler, non? Moi, je suis venu te lancer un défi et te dire que même si je l'étais, avec toi, je ne peux pas l'assumer. Tu as compris avec quoi? Une femme qui fait 5 jours sans se laver, maman. Tu es normal, toi. Hein? Je t'avais dit et je t'ai toujours dit. Arrête de vendre le piment dans la maison. Sinon, moi, je te le dis aujourd'hui, à visage découvert, que tu vends encore le piment dans la maison où il y a tes enfants, soit des gens qui dorment. On va enlever tes enfants. Moi, j'ai dit. Tu as compris avec quoi? Je commence à appeler mon pote du Canada, transsexuel, qui est avec toi. Je vais arriver chez toi. Je vais te taper comme ça que tu me connais. Regarde-moi bien. Tu vas fuir ta main. Parce que moi, tu me connais. Je vais te bastonner comme ça, tu ne vas pas comprendre. Et donc, Yami, mon ami d'abord, un de mes connaissants, parce que c'était ton coiffeur avant. Avec qui tu étais là où tu accuses que tu n'as jamais été jamais camé. Il y a beaucoup de maisons à Brive-la-Gaillarde. Tu as compris? Je dis bien que tu n'as jamais été là-bas. Je vais appeler mon ami gay. C'est une connaissance qui était de même d'abord ton ami, qui est transsexuel. Je vais lui demander que je vais arriver chez toi et te tape. Tu me connais. Tu comprends ce que je te dis? Et moi, je te promets que tu t'attaques à moi. Je dis bien que. Je te dis bien que. Que ça soit orientation, quoi. Je t'ai dit que toi, tu n'es pas quelqu'un qu'on assume. Parce que tu es trop sale. D'abord, tu fais 5 jours, tu ne te laves pas. Tu accumules les assiettes. Tu es sale. Tu es extrêmement sale. Hein? Depuis des années que je te connais, je t'ai dit l'acte de naissance que tu m'as envoyé. Je veux que tu dises quand est-ce que j'ai pris compte. Parce que tu m'as envoyé l'acte en disant que oui, tu sais, vraiment, je regrette tout ce que j'avais fait sur Facebook. On m'avait manipulé. Parce que tu mets tout sur les gens. Et comme tu touches les remèdes, quand tu parles, on croit que c'est vrai. C'est comme ça que tu as envoyé les vols. Oh, on a déjà fait que ça, fait que. Hein? Parce que tu es une manipulatrice hors pair. En fait, comme j'étais bloquée et que Nadège a compris qui tu étais, elle t'a aussi bloqué. Ça dit que tu ne sais plus où aller. Tu parles de moi. Je vais poster les trucs que tu m'as envoyés de la dame du Cameroun. Va assumer ta vie avec d'autres personnes. Je ne peux jamais t'assumer, même qu'ami. Tu comprends? Tu vas beau dire ce que tu as dit. Oh, Amère, Kamer, c'est monté, c'est descendu. Quelqu'un au Cameroun loue sa maison ici, comment? Tu penses que tu peux utiliser, tu peux me faire le chantage? Tu es petite pour faire le chantage. Je suis dans une tontine avec... C'est à toi que j'envoie mon agent. Non, c'est Anita que j'envoie. Je ne t'ai jamais envoyé que va cotiser. C'est à elle que je donne tout. C'est normal qu'elle demande que je bouffe quand. Toi, tu me fais le chantage. Tu racontes ci, tu racontes ça. La seule personne qui doit les excuses. La seule personne à qui je peux dire que les excuses, c'est Nadège là.
juste parce que, avec tout ce que tu m'as raconté, ce que j'ai écouté, tu m'avais dit que tu n'étais pas en contact avec elle. Mais j'ai su. Parce que tu veux manipuler tout le monde. Tu envoies l'acte de naissance. Maintenant, tu dis qu'on a arrangé pour prouver. Oh, pour prouver quoi, compression, maman? Parce que tu veux tout mélanger les gens. Que tu as été payé pour me salir. Ou c'est pas qui, ou c'est pas quoi. Je m'adresse pas à ceux qui t'ont payé. Je te dis à toi que il n'y a rien. C'est normal. On a été amis. C'est normal que tu reprennes contact avec moi. Je discute souvent avec toi comme si de rien n'était. Tu as compris? Je vais te demander quelque chose. Tu as passé ta vie. Tu dis à tout le monde qu'on est paxé. Qu'on a été paxé pour que tu aies les papiers. Je veux que tu poses te. Que tu postes ce document du Pax. Parce que je suis mariée. Je ne me suis jamais paxée avec toi. Tu as demandé l'asile politique. Ce n'est pas de ma faute. Si tu ne peux pas aller au Cameroun. Tu mens. C'est-à-dire que tu mens comme tu le. Écoute-moi très bien. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que l'asile politique que tu as, l'Ongunda, que tu as demandé, je vais t'expliquer la signification d'avoir l'asile. Quand on a l'asile, on renonce. L'asile veut dire que tu as renoncé à ton pays d'origine parce que ce pays t'a fait du mal et tu ne peux plus y aller. Et quand tu as l'asile, comme tu as la carte de 10 ans, tu as un passeport qui accompagne cette carte, qui est le passeport des réfugiés de la couleur Bordeaux. Fais un enfant, ne change rien à ton statut d'asilé. Tu as compris? Je t'ai dit que hein, si tu veux changer ton statut de réfugié, demande la naturalisation, ne manque plus à tes amis, à tes connaissances. Tu as compris? Quand on demande l'asile, ça veut dire qu'on renonce à son pays, à son pays d'origine, au pays qui nous a fait souffrir. C'est ça. Et c'est le document que tu as. Si tu veux changer le statut d'asile, de réfugié, quand tu auras la nationalité française, tu pourras changer ton statut. Tous ceux qui ont l'asile passent par d'autres pays pour aller. Je veux ta réplique. Tu as compris? Tu es des stars, non? Tu es des stars. Sur Facebook. Il n'y a rien. Je te dis aujourd'hui. Aujourd'hui, demain et après-demain, tu resteras tout dans le noir. Je ne peux jamais t'assumer comme quelqu'un que je connais. Tu as entendu avec quoi? Si c'est ça qui te fait mal, depuis que je te connais, tu as mis les pieds chez moi un jour. Tu connais le chez moi. Tu as connu le chez moi. Tu n'as jamais été chez moi dans ta vie. On s'est toujours vu dans les appartements, ailleurs. Si tu as déjà été chez moi un jour, je te lance ce défi. Puisque tu enregistres, non? Tu enregistres et tu as les photos. Si tu as déjà été chez moi un jour, je veux que tu postes une photo de toi assise dans ma maison. Tu n'as jamais vu un membre de ma famille dans ta vie. J'ai dit que je t'ai dit que ce que tu manipules là, ou les gens qui t'ont envoyé là, va les dire que c'est une gringo. Tu peux dire ce que tu veux. Tu es, je dis bien que, va dire aux gens que toi tu ne peux, tu es trop petite pour me faire tomber. Tu es trop petite. Tu dis que quoi? Que j'ai parlé du manager de qui? C'est moi. C'est à moi qu'on avait demandé. J'ai choisi les blogueuses.
Je ne peux jamais. Si tu penses que tu me connais très bien, je n'ai aucunement honte. Je dis bien que, écoute bien ce que tu dis. Je t'ai dit que moi, je veux que tu postes une vidéo de toi chez moi. Tu n'as jamais mis les pieds dans ma maison, dans ta vie. Que ce soit quand j'étais à Lille. Quand j'étais à Lille, j'avais un canapé blanc angle. Parce que tu as toujours fait quoi que tu habites avec moi. Quand il fait le direct, tu pars en bas du lit. Je veux que tu postes. Si ma mort viendra de toi, c'est que ça viendra de toi. Je ne peux jamais marcher sur ton chantage. Tu as voulu me cogner les têtes avec compresseur. Parce qu'on t'a dit que je suis là-bas. Du coup, tu as cru que, comme on connaissait la vérité, parce que moi, j'ai dit à compresseur que ne fais plus le direct sur Nadège, parce que la fille a ment. J'ai vu que enfoncer en quoi, ma? Ce qu'on a dit sur les... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les... Monsieur Star, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les... Pensez, ne vit pas. Qu'est-ce qu'elle peut bien dire sur moi qui va me faire que... Allez, maf. Hein? Je t'ai dit... Aujourd'hui, demain et après-demain, quand tu vas parler ce que tu parles là, c'est la déception. Tu as compris? C'est là, ça dit que tu n'arrives pas à comprendre comment moi, je t'ai dit et je te redis encore que tu ne peux pas dire que tu es mon ami. Et tu traînes toujours avec les gens de Facebook. Ça dit que tu... Je t'ai dit que à cause de ça. Parce que, un, quand tu viens parler, tu ne dis pas la vérité. Tu envoies les voices que c'est toi qui es en train de parler. Oh, machin, tout ça, parce que tu veux brouiller les gens. Quand tu finis, ça t'apporte quoi? Je suis la propriétaire de Facebook. Tu ne peux jamais, que ça soit aujourd'hui, demain, après-demain, les débats à la con, à deux balles. Je ne gère pas. Tu as compris avec quoi? Tu ne peux jamais me tenir au chantage. Parce que tu crois que j'ai quelque chose sur toi. Si tu fais comme ça, mouf! Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Je t'ai dit, et je te redis encore, que tu es une personne que tu tues. Tu pars au deuil. Tout ce que tu dis là, ça ne change rien à ma personne. J'étais au deuil. On a bien accompagné. Je suis encore au deuil. Là, je vais faire la sauce gombo là. Avec le kelen kelen. Je mange et bois ma bière. Entretiens-toi. Et tu pourras te répéter une personne qui va t'assumer. Tu as les relations au Cameroun partout, partout, non? Mais va voir ces gens-là, non, mon frère. Tu colles sur moi pourquoi? Je suis qui pour toi, maman? On t'a seulement envoyé derrière moi. Hein? Il faut voir qu'elle parle. Oui. Hein? Hein? Pourquoi? Tu peux sisser à qui? Tu es malade, tu peux sisser à qui? Tu peux me sisser, hein? Il y a dit que si tu fais aujourd'hui, demain et après-demain, les gens ont eu pire. Pour moi, je ne te considère pas comme... Pour moi, ça dit que tu es une perdue. Une personne qui a tellement menti dans sa vie, qui a tellement fait des choses que... Quand tu t'assois comme ça, tu te regardes, tu te dis que ouais. Là, maintenant, j'étais bloqué parce que tu as beaucoup menti sur Nadège. J'ai découvert. Tu m'as dit que, oui, tu as peur de clasher Nadège. Tu veux que clash Nadège ou quoi? Elle t'a dit que non, depuis le jour qu'elle avait fait la première sortie, quand j'ai su la vérité, je t'ai dit que je ne parle plus. Je n'ai pas avoir peur de Nadège, pourquoi? J'ai dit que je ne réponds plus à Nadège. Tu m'as envoyé les choses, tu continues à moi. Elle t'a dit que non, parce que j'ai vu là. Elle t'a dit que tu mens trop. Elle t'a dit ça. Nadège, moi ça m'a énervé de savoir qu'elle était en contact avec toi. Ça c'est clair. Mais elle mérite les excuses de ma part. Ça ne change pas que si elle veut faire le direct, elle dit ce qu'elle a envie de dire. Parce que tu es une fille qui manque trop.
quand je t'avais vu, je t'ai dit que je t'ai dit, tu sais pourquoi j'étais bloqué. Tu sais pourquoi j'ai dit que tu es une grande menteuse. Je t'avais posé la question. Quand je t'ai vue, je t'ai dit que j'espère que ça reste entre toi et moi. Tu m'as juré sur tous les dieux du Nunker. Quelques minutes après. Hein, j'ai découvert que, en fait, pendant qu'on était enceinte, tu avais appelé quelqu'un pour que la personne écoute. Tu veux prouver quoi? Pourquoi tu fantasmes sur moi que tu veux absolument montrer aux gens que tu me côtoies? Moi, ne te côtoie pas, moi. Quand j'ai découvert ton mensonge, je t'ai dit que tu as menti sur Nadège. Je t'ai dit que tu as menti. Tu voulais prouver? Non, non, c'est elle qui a fait que, c'est elle qui a fait que. Quand j'ai découvert, ça veut dire que je ne réponds plus à Nadège. Pas parce que j'ai peur de Nadège. Tu penses que Nadège pouvait mettre quoi sur moi jusqu'à ça dépasse ce que tu es venu raconter, les balivelles que tu as dit là? Tu sais très bien que j'ai dit que je ne réponds, je ne dis plus rien sur Nadège parce que tu as menti. Oui. Tu viens pas que Alex, moi je connais même pas les noms. Toi-même, tu sais que je connais même pas le nom. Les choses que vous traînez, les maisons de vous, les endroits que vous roquez. Tu me donnes rendez-vous quelque part. Je te vois. Je sais que c'est entre nous deux. Quelques minutes après, je vois déjà qu'on sait où je suis. Je t'ai posé la question. Tu as nié ce que tu as mangé le Seigneur. C'est normal que je te vois et te dis que je ne veux pas que quelqu'un soit au courant. C'est ma vie privée. Pourquoi tu veux prouver toujours aux gens que tu m'as vu? Moi, je te renie. Je t'avais bien dit que je ne vais jamais accepter que je te vois. Ou bien que je t'ai vu. Tu inventes ce qu'a dit comment? Je garde souvent ton enfant. J'ai écouté que mais la fille, elle me fait tellement rigoler. Pourquoi tu fantasmes d'une vie de couple avec moi? Hein? Tu as déjà été chez moi un jour. Tu as déjà, entre que je sois, quand j'étais à Paris, à Lille, partout. On s'est souvent vu dans les endroits de passage. Si tu es quelqu'un d'important, j'étais avec toi par pitié. Par pitiation. Parce qu'il y a des moments où j'avais de la pitié pour toi. Voilà pourquoi je suis même revenu te dire bonjour. Tu es un serpent à mille têtes. C'est par pitiation. Quand tu m'as envoyé, si c'est un faux document que tu as fait, on va poster le document. Les gens vont nous dire si le document est authentique ou pas. Je vais poster le papier. Ou bien toi-même, tu postes déjà. Poste déjà l'acte de ton enfant. Et bien que tu postes ça, on verra. C'est sur ça qu'on va juger si ce que tu dis est vrai ou faux. On n'a jamais vécu dans la même maison, tu le sais. Moi, je suis fille qui fait les directs. Où je suis assise là, on peut voir que je ne suis pas chez moi. Je vis dans la maison. Moi, je ne comprends pas. Tu fantasmes sur une femme comme toi d'avoir une vie de couple. Mais tu es sérieuse, toi? Tu peux raconter ce que tu veux. Tu sais que tu bavardes beaucoup. Et tu sais que chaque fois, je te demande que ton téléphone est où. Mais tu arrivais quand même à la photo que tu as postée. Je suis sûre que c'est une photo que tu m'as appelée. Tu n'as pas honte. C'est par pitié. J'étais déjà allée chez un jour. Hein, mamie? Dis-moi un peu, est-ce que j'étais déjà léchée un jour? Hein? Dis-moi un peu, c'est quoi ton problème? Je t'ai dit que tu me racontes tes déboires. Il y a des choses que n'a déjà dit que j'ai su que c'était vrai. Parce que tu m'avais parlé d'une fille, que, une blanche que tu agnès avec. Après, tu avais les boutons. J'ai dit que mais tu m'as déjà dit ça. Même certaines photos que tu m'as envoyé, ces genres de photos. C'est une photo où tu avais les clients pendant que tu étais enceinte. Moi, je ne t'ai pas connu pendant que tu étais enceinte. C'est après ton an, quand tu as envie d'accoucher, longtemps après, que tu m'as dit que tu as accouché, que les premiers, tu demandes pardon, machin, tout ça. Oui. Que tu demandes pardon. C'est ma vie privée.
Si je te vois, n'ai pas besoin de venir dire sur Facebook. Il y a les gens qu'on salue, mais on n'assume pas. J'ai vu ton enfant une fois. Parce que tu as accouché. Tu m'as dit, l'enfant, ton enfant pouvait... Je pense que l'enfant l'avait d'ailleurs, c'est combien de temps comme ça. Tu m'as dit que l'enfant a ton nom. L'enfant, si je viens voir l'enfant, je vais venir dire sur Facebook. Quand les gens ne veulent même pas entendre que tu salues, je vais dire ça. Ce sont des choses qu'on fait en cachette. Je suis entré chez toi. J'ai fait 3 jours. Je t'ai dit que quand on a un enfant à la maison, on est propre. Comment tu peux entasser les choses comme ça? J'ai fait le ménage là-bas jusqu'à. Je me suis assis sur le canapé, ça m'a gratté. Tu t'es dit que ça me gratte, tu dis que non, tu ne ressens pas. Parce que tu es tellement sale que s'il y a la saleté, tu ne sens pas. Oui, je t'ai dit que ça pique, c'est comme s'il y a les... Ça pique. C'était comme ça les pouces. C'est les puces là, les trucs là. Je t'ai dit de jeter le canapé. Tu m'as même proposé que oui. Quand je ne savais pas encore qu'il y avait les puces sur ça, tu m'as dit que oui, le canapé, ton canapé angle là, tu veux changer, tu m'as envoyé là. Je t'ai dit que non, c'est encore bien. Pourquoi tu veux changer? Tu es le genre d'ami qu'on n'assume pas. Si un jour je t'ai appelé mal parlé de des blogueuses ou bien de mon entourage d'une personne, je veux que tu mettes, puisque tu enregistres, ne dis pas seulement que tu avais dit, que je veux que tu mettes où je suis en train de dire, j'assume. Si un jour moi, je t'ai déjà appelé, parce que quand tu veux parler à quelqu'un, n'associe pas les gens. Si un jour je t'ai déjà appelé pour parler, tu m'as tout fait le chantage. La mère Kamé. Tu m'as dit que j'étais là-bas. Tu m'as dit que j'étais dit que même si toi tu étais là-bas, Lilo Kamé ne connaît pas. Et que ça ne s'est pas bien passé. Tu n'as pas besoin. Tu as commencé à me tenir au chantage parce que tu as filmé. Tu as filmé pour tenir, pour faire le chantage que tu vas dire que tu vas dire que. Quelqu'un laisse sa maison. Si tu t'es retrouvé là-bas, tu t'es retrouvé là-bas. Est-ce qu'il est là? Il laisse sa maison, il laisse quelqu'un dedans. Tu t'es retrouvé, peu importe comment ça s'est passé. Tu veux raconter si, tu vas entrer dans les détails. Oh, oh, tu étais là-bas, la police est arrivée, tu as filmé, machin, tout ça. Je t'ai dit que je ne veux pas que ça se retrouve sur Facebook. Je te l'ai dit. Même si tu as été, tu ne veux pas que ça soit sur Facebook. Tu penses que quand tu veux, et puis quoi va faire? Je dis que pas montrer les échanges, j'ai dit que le voice. Quand quelqu'un met les échanges, parfois ce que la personne vient te dire. J'ai dit que ce que tu veux ramener là, tu ne me peux pas. Tu fais ça tout simplement parce que tu t'es dit pourquoi tu as menti. Tu as menti pour Nadège. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Tu veux te brouiller les gens? Tu veux faire comme si? Je t'ai dit, vous pouvez faire le direct sur moi pendant 1 mois. Ça ne change rien à ma personne. Si elle veut vendre le piment, hein, tu n'es pas celle qui peut montrer le chemin. Et même, si tu viens dire que je vends le piment, qu'est-ce que ça peut bien faire en fait? Tu voulais en arriver là. Tu es arrivé là, mais reviens faire encore l'autre direct. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis obligée de dire que tu es mon ami, que je te connais, que je parle avec toi. Je renie qu'on parle pas, que je parle pas avec toi. Tu vas poster, tu peux poster les échanges, tu postes ça là. Ça ne change rien. Moi, devant le monde, je dis que je ne te connais pas. Et ça reste comme ça, c'est tout. Pourquoi, depuis que tu as traîné avec ces personnes-là, tu as traîné avec ces personnes-là, pourquoi tu reviens toujours vers moi? Je suis ici, je suis... Pourquoi tu reviens? Parce que c'est toi qui me harcèles, en fait. Par pitié, je te le dis, regarde bien, par pitié, je t'ai souvent même salué, parlé avec toi, par pitié.
Tu as compris parce que tu me fais de la peine. Tu as compris. Et on avance et la vie continue. Tu es qui? Tu es qui? Ouvre ta page, tu commences à faire les directs. Après, tu commences, tu monétises. Mais t'es promis juste une chose. Une seule chose. On enlève, on retire les enfants des femmes qui font le waka dans leur maison. Je ne t'ai jamais fait confiance. Parce que tu n'es pas une personne digne de confiance. Qu'est-ce qui peut te pousser à venir t'asseoir et raconter? Et même si ce que tu disais était vrai, ça s'est passé dans le noir. J'ai ma vie privée. C'est toi qui parles avec tout le monde. Tu dis que arrête de parler avec tout le monde, tout le monde. Tu racontes si tu as dit que ta mort viendra de toi-même. Ce que tu as vécu, que ce soit que ce soit, tu as une famille. Ce que tu peux dire, ça ne change rien à ma personne. Moi, je te dis clair et tu me connais. Tu as compris? Je dis, c'est moi. Ce que tu peux faire, ça ne change rien à ma vie. Je suis Fleur de Lys aujourd'hui, demain et après-demain. Je ne bouffe aucun djangui. Passer avec toi. Tu m'as accusé que j'étais ton proxénète. En France, 20 ans de prison. Tu m'as dit, tu as dit à la police la dernière fois que tu étais chouqué partout. Tu as dit à la police que quoi? Je suis passé, qu'est-ce qu'on avait fait là? Il y a des années qu'on était passé au tribunal avant ça. Je suis passé, le juge, le genre que tu as encore comme ça, on met la caméra, on te pose des questions. On appelle ça comparaison immédiate. Mais comme je suis en France, et qu'en France, on ne manque pas. Ici. Parce que les gens te disent que va dire que. C'est tout ce que tu dis là. Mais pourquoi tu ne portes pas plainte? Pourquoi tu ne fais pas un truc, la police me prend? Moi, je ne comprends pas. Hein? Je t'ai dit, tu es en France, mais il faut savoir que dans ce pays, on n'accuse pas les gens parce que les Africains te disent que va dire que non, va dire que ça c'est Facebook. Si une fille comme toi, tu m'as accusé que tu travaillais pour moi. À l'époque, tu as eu à dire ça déjà. Et tu sais très bien que les faits qu'on s'est vus, c'était en cachette. Parce que normalement, dans la loi, on n'a pas le droit de se voir. Tu le sais très bien. Parce que la police avait déjà dit, tu te souviens, je suis passé au tribunal. Si on me voit avec toi, prison ferme, ne pas en prison, je ne dois pas t'approcher. Tu m'avais accusé à la police. Parce que vous croyez souvent que quand vous partez raconter les choses, à la police, à l'époque, je parle des choses, c'était peut-être 2015-2016. C'était en 2015, la dernière fois, si vous vous souvenez avant, tu as dit, c'était tous les histoires d'enregistrement, parce que j'étais assise avec toi, on était à Angers, on était assise avec les Camerounais. Deux minutes après, une blogueuse, Joël Ami, j'ai dit que mais qui vient de filmer, c'était toi. On était assise, on mangeait, on buvait, on faisait les commentaires. Tu as filmé, tu as envoyé à Joël. Quelques minutes après, on m'appelle. Flo, tu es où? On te voit sur Facebook. Tu es avec eux, Coco. J'ai dit pardon. Tu es amoureuse de moi, mais je ne suis pas amoureuse de toi. Apprends que l'amour que tu as pour moi. Je ne sais pas ce que je sais pas ce que tu penses dans ta tête. Tu as tes relations, tu as dit. Et même s'il fallait que je présente une femme, si j'étais lesbienne, ce n'est pas toi qui peux présenter. À l'époque, tu m'as accusé. On était assises comme ça là. Tu as enregistré ce qu'on causait, les gens causaient sur divers. Quelques minutes après, c'est sur Facebook en 2015.
quand on est passé au tribunal, c'était entre 2015 et 2016. Les gens me demandaient que, mais qui a filmé? C'était toi. C'est où j'avais les ciseaux, j'étais truqué. Mais donc, c'est toi qui filmes souvent. Ce jour-là, tu as inventé une histoire que moi j'ai un. Que j'ai le Congo, que j'ai Congo Saba. Les gens qui me connaissent, les gens qui voient comment j'écris, ils savent que je ne peux pas gérer une part de Congo. C'est parce que je ne vois pas ce que je peux dire dans le noir, que je ne peux pas dire devant les gens. Tu m'as accusé. Dis comment telle page Congo Saba, tu as toujours. C'est toi qui as créé les apaps. Tu sais que je ne connais pas les choses comme ça. À l'époque, les pompiers sont venus. Quand les pompiers sont venus, toi on t'a mis dans la voiture des pompiers, moi on m'a mis assis sans mes notes. On m'a demandé pourquoi je me suis énervée. On t'a dit on n'enregistre pas les gens. À l'époque, c'est où j'avais sorti les ciseaux. J'étais truquée partout. Que donc c'est toi qui filmes souvent. Donc c'est que c'est le même jour que c'est toi. C'est comme ça que je me suis levée. Cherchez tout. Et le même jour, j'ai compris que c'est toi qui avais, non seulement quand tu envoyais à Joël, mais tu as aussi mis dans la page que tu gérais, où c'est Congo Saba, quoi. C'est ce jour-là que j'ai su que c'est toi qui avais ça. C'est ce jour que j'ai su que c'est toi qui avais le Congo Saba machin là. Et le même jour, tu as commencé à dire que, oui, je gère ça avec toi, tu gères ça avec moi, où? Les accusations à deux balles. Ma chérie, tu sais comment ça s'est passé. Tu es entré dans la voiture des pompiers. Moi, on m'a amené, fait deux jours de garde à vue. Toi, on t'a amené pour te faire pour te coudre. Pendant que tu étais à l'hôpital, tu avais le droit de déposer plainte. C'est ce que tu as dit dans ta plainte. C'est où on nous a mis en confrontation. Parce que pendant que tu donnais ta plainte, tu as dit à l'époque que tu travaillais pour moi. Parce que quand la police m'a arrêté, j'avais l'argent sur moi, on a saisi. Cet argent que j'avais sur moi, je venais d'ailleurs et j'avais l'argent sur moi. Tu as raconté que je suis proxénète. Mais tu as oublié que ici, en Europe, ce n'est pas comme ça. Quand tu as fait ta... Moi, je suis passé en comparaison immédiate d'abord, devant les caméras, le juge, quand on met les caméras, on te demande qu'est-ce qui se passe. J'ai dit que parce que toi et moi, nous sommes des amis et tu m'enregistres souvent. Tu mets sur les réseaux. On t'a fait la confrontation à la police avec moi. Parce que là-bas, tu as dit que tu habitais dans la même maison avec moi. On t'a demandé où. Tu as dit à Lille. Que tu habites dans la même maison à Lille avec moi. Tu as dit ce jour que tu travaillais pour moi. Oui. Et la police t'a demandé que quand vous travaillez ensemble, tu dis qu'elle travaille pour toi, comment tu lui donnes souvent l'argent? Comment ça se passe quand tu lui donnes souvent l'argent? Tu as dit que c'est à Lille où tu me payais. On t'a demandé que, est-ce que tu connais le chemin? Tu dis que tu habites avec moi, on t'a demandé où j'habite. Parce qu'en Europe, tu ne peux pas habiter quelque part sans que la police sache. C'est ce jour-là qu'on t'a piégé, tu es tombé. Tu as donné l'adresse de où j'habitais. C'est vrai, tu peux savoir que quand habite un rue du Coq Français. C'est normal, si ton ami, j'habite à tel endroit. Tu peux savoir qu'elle prend souvent le tram. Mais ce jour, quand tu as fini de parler, la police, tu as dit, on t'a redemandé, est-ce que vous habitez avec elle? Tu dis, oui, j'habite avec elle à Lille, dans tel quartier. On t'a demandé que quand tu arrives à Lille, pour aller chez moi, tu prends le métro ou le tram. Tu te souviens? Tu as dit que tu prends le tram à la gare Lille-Flandre. On t'a demandé, quand tu prends le tram pour aller chez moi, tu descends à quelle station? Simple. À l'époque, tu ne connaissais pas. On t'a dit que vous descendez à quelle station quand vous allez chez elle pour aller à Lille, vous dites que vous prenez le tram. Elle habite où? À Croix. Maintenant, elle habite où? À Croix. On descend à quelle station? Puisque tu dis que tu prends le métro, que tu prends le tram. Si tu disais que tu prends le métro, on a aussi te demandé que tu descends à quelle station. La police a demandé que, madame, vous demandez, vous descendez dans quelle station. Tu n'as pas pu dire. On t'a demandé.
que pour entrer chez moi, on traverse combien de barrières? Tu ne connaissais pas. On t'a aussi posé la dernière question. Chez moi, c'est entre le premier et le 12e étage. J'habite à quel étage? Tu ne connaissais pas. On m'a dit de porter plainte contre toi pour diffamation. Après, tu as dit que tu m'as donné l'argent pour faire venir ton enfant d'Afrique. En fait, ici, on ne change pas de bouche. Quand tu dis quelque chose sur quelqu'un, insiste sur ça. Tu as dit que moi, tu as dit à la police que non seulement tu as dit que j'étais proxénète, quand tu as posé ces questions-là, parce que moi j'ai dit la vérité, j'ai dit que tu n'es jamais venu chez moi. Ils étaient étonnés. J'ai dit non, on se voit un peu, mais chez moi privé, elle n'est jamais venue. C'est où on t'a demandé, tu insistais. Tu voulais trop parler, on t'a dit taisez-vous. Là tu étais sorti de l'hôpital, la confrontation. Oui. On t'a confronté à moi. Parce que tu ne peux pas dire que tu habites avec quelqu'un. Tu ne sais pas si la personne habite au premier ou au cinquième, mais tu ne connais pas l'état. Tu ne connais pas si on fait combien de codes. Parce que pour entrer chez moi, on faisait deux codes. Première barrière, tu traverses à quoi? Tu fais encore un autre deuxième code avant d'arriver où j'habite. Si elle te demande que où j'habite, parce que tu as dit que je garde souvent ton enfant. Si elle te demande que j'habite à Compiègne, j'habite à quel étage, tu ne peux pas connaître pas, tu n'es jamais venu chez moi. Si elle te dit qu'à Paris où je garde mon ancien appartement, si elle te demande que j'habite à quel étage, tu ne peux pas connaître parce que tu n'es jamais entré chez moi. La police le jour-là m'a dit de porter plainte contre toi pour diffamation. Parce que tu as dit que oui, on fait souvent les annonces, quand on travaille, on se partage l'argent. La première dit, mais si c'est comme ça, vous êtes donc des collègues. Vous êtes donc des collègues. En 2015, on t'a dit que mais si vous travaillez, ça veut dire que vous êtes des collègues. Tu es jalouse, pourquoi? Je ne peux jamais t'assumer. Aujourd'hui, demain et après-demain, quel que soit ce que tu vas dire, tu es une personne à éviter. Tu as raconté, j'ai entendu que comment tu peux mentir que ta mère est à Paris, alors que ta mère, c'est la dame qui est au pays? Tu manques ta mère, c'est-à-dire que tu inventes des choses, reste comme ça, dit que, mais quand j'ai écouté le direct, c'est le jour que j'avais écouté le direct où Nadia, j'ai passé, que j'ai compris que, mais la fille, si, oh, sa mère à Paris, comme sa mère l'avait, tu peux vivre en France, ta mère est là. Tu as les enfants, ta maman qui t'a accouché est à Paris, et elle ne t'a jamais vu. Elle n'est jamais venue. Tu as accouché. Où est le voix bébé? Parce que tu es menteuse. J'ai entendu de ces choses dans le direct. Tu dis que tu as construit. Quand on entend ce que tu dis que tu donnes aux femmes, quand je gagne saleté comme toi, je me dis que moi, je t'ai acheté un sac à main et une montre, une belle montre. Je t'ai dit que, ouais, voilà ton cadeau d'accouchement. Je t'avais acheté un sac à main et une montre pour te dire que, comme tu as accouché l'enfant, tu as donné mon nom. Mais si je t'ai offert ça, je t'ai dit que quand tu travailles, achète les habits que tu portes. En fait, tu veux souvent me prouver que tu sors avec les grandes dames. C'est ta vie. Ça me regarde en quoi? Je suis resté la dernière fois. Tu m'appelles que la tu m'as envoyé les papiers. Hein, que la. Comment on appelle là? La comédienne du Cameroun. Qu'elle t'a envoyé l'argent en France. Qu'elle t'a envoyé 1 million de francs CFA. Tu m'as envoyé un faux papier que tu as manipulé. Tu as dit que c'est bien. Elle t'aime beaucoup. Vraiment, il ne faut plus parler d'elle. Garde ta relation comme ça. Je t'ai dit que, mais comment tu peux aller entretenir une relation? Tu n'as jamais été au Cameroun. Tu vas entretenir une relation au Cameroun jusqu'à tu manques que tu as conçu. Tu peux construire la maison une femme. Que toi-même, tu as quoi? Moi, je ne comprends pas. Tu vis dans un canapé, tu dors sur un canapé de puce. Tu racontes que tu as conçu la maison. Tu manques même que tu envoies 600 euros à cette femme tout le temps. Tu es une grosse menteuse. Tu peux poster les envois. Moi, je ne comprends pas. Mais attendez un peu. Le problème, c'est que quand les gens disent souvent des choses, la comédienne, tu l'as capturée pendant qu'elle parle avec toi. Pendant que vous masturbez.
Tu m'as envoyé. Je t'ai dit, c'est ta vie, c'est bien. Tu me dis, voilà la personne avec qui je suis maintenant. J'ai dit, c'est bien. Toi et moi, on a gardé la relation comme des amis. C'est pour ça que tu m'envoies souvent les photos de ces comédiennes-là. Tu me dis que là, voilà qui peut aller preuve. La même chose que quand tu parles avec moi. La différence, c'est que je me masturbe pas avec toi. Parce que tu ne me donnes pas envie. Tellement tu fumes. Tu fumes. Quand il te regarde, on te dit que Mélangas, on peut même la mordre. Tellement tu es sale. Tu ne peux que te masturber à distance avec les gars du Cameroun là. Quand tu restes, oh, on est parti voir ma mère à Fumban. Oh, la femme là m'aime beaucoup. Vraiment. Tu m'as même parlé de sa fille. Prends les photos de la dame là, m'a envoyé. Comment vous causez ensemble, tout ça là. C'est le sabotage. Tu aimes tenir les gens au chantage. Tu veux qu'elle poste un voice que tu m'as envoyé. Comment tu vas traiter la dame là? Que ta part, on connaît déjà, mais pour elle, tu ne connais pas. Elle t'a supplié que. Comment tu peux faire ça? C'est une artiste, c'est une comédienne. Je t'ai dit, tu ne peux pas faire ça. C'est une comédienne, t'as rien. C'est toi qui l'as contactée. Tu ne l'as jamais vue en vrai dans ta vie. Tu te masturbes qu'à distance avec eux. Je t'ai expliqué ça. Tu as un problème psychologique, va te soigner. Je t'avais dit de suivre les spécialistes. Que tu dois d'abord être vrai envers toi-même. Je t'ai dit de suivre les spécialistes. Que arrête, tu as les relations. C'est toi qui dis que tu sois avec elle. Mais tu veux prouver quoi? Qu'est-ce que nous on en a à foutre? Moi personnellement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Une personne avec qui tu dis que tu es en couple, tu ne peux pas lui dire que ouais, les photos de la personne avec qui je suis. Non, je ne suis pas en couple avec toi. Je suis désolée. Parce que si j'étais en couple avec toi, c'est que tu ne peux pas t'asseoir. Tu m'envoies, tu dis que oui, voici l'angle avec qui je suis. Vraiment, elle m'appelle. Il faut que j'aille lui répondre, machin, tout ça. C'est vrai, tu n'es pas en couple avec moi, je suis désolée. Pourquoi tu veux qu'elle assume quelque chose qui ne me regarde pas? Oui, la vidéo le direct que je fais, j'assume. Tu m'as envoyé son nom, qu'elle t'a envoyé 1 million. Et puis tu allais retirer. Tu as dit que mais, elle t'a envoyé 1 million, c'est bien, hein? Une personne au Cameroun qui t'envoie 1 million. Ailleurs, tu dis que tu vas raconter que tu lui envoies tous les jours, chaque mois 600 euros. Tu dis même que tu as conçu la maison à cette dame. Tu peux conçu la maison à une femme. Hein? Moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas conçu la maison à cette comédienne. Tu es très dangereuse. Ailleurs, tu dis que tu donnes. Alors qu'à moi, tu m'as envoyé un papier qu'elle t'a envoyé 1 million. Tu as dit que c'est chaud avec les enfants. Tu m'as dit que tu lui as dit que tu vends le piment. Ces comédiennes-là, si j'étais une autre personne, c'est que j'allais dire que les voici. Mais elles ne m'ont rien fait. Pourquoi je vais les associer avec ce que. Parce que tu aimes quand tu es en guerre avec une personne. Tu associes beaucoup, beaucoup de gens. Je t'ai dit que je suis en Europe. Je suis sur le territoire français. Si je veux Niasse avec le chat, c'est mon problème. C'est la France qui va me juger. Parce que je suis en France. Si c'est avec le chien, le serpent, le rat, c'est mon problème. Je suis en France. Mais quand j'arrive au Cameroun, je respecte le Cameroun. Si le piment, la vente du piment n'est pas interdit en France et que c'est interdit au Cameroun, alors quand j'arrive au Cameroun, je ne vends pas le piment. Je respecte. Parce que quand tu es dans un pays, tu dois respecter. D'accord? Je t'ai dit, tu ne peux pas dire que tu donnes 600 euros à quelqu'un tous les mois, que tu as conçu la maison, alors que toi-même, fais le direct, tu filmes le chez toi. Hein? Montre un peu ta maison. Tu entres dans les chambres des enfants. Tu filmes un peu, tu dis que voilà, arrange-moi, fais le ménage. Tu montres. Tu ne peux pas construire la maison à une femme. Parce que toi-même, tu n'as rien. Toi-même, tu vois comme ça. Même acheter la bille portée. Tu portes un pantalon pendant un mois. Tout ce qu'elle te demande, mais là, veux-tu acheter les habits que tu portes. Tu penses qu'acheter les chaussures, les habits, c'est toi qui as donné les couches. C'est toi qui m'envoies. Je t'ai dit, c'est bien si tu as donné les couches, c'est bien. Parce que tu veux mélanger les gens. Tu es une menteuse. Manipulatrice patentée. Hein?
Parce que toi, tu m'as dit, tu mélanges Lolo. C'est elle qui m'a dit d'appeler Lolo. Tu es une menteuse. Tu m'as dit que tu veux passer dans mon direct pour parler de Nadège. Oh, je vais parler de Nadège. Tu as dit que je n'accepte pas chez moi. Tu m'as dit, va aller chez Lolo. Je vais appeler Lolo. J'ai dit que mais si tu as le numéro de Lolo, appelle-la. Et moi, je t'ai dit que si tu veux, tu l'appelles. Tu allais l'appeler. Ça veut dire que c'est moi qui t'ai dit l'appeler. Tu mens tout. Quand tu racontes quelque chose, il faut dire comment ça est. J'étais bloquée depuis le jour que j'ai vu le direct. Une Nadège, il y a une dame, une de ses supportrices, elle avait raison. Quand tu veux parler, ne mélange pas les gens. Parce que si on me dit que tu as dit que tu as dit que, c'est que tu en dis trop. Oui, tu es une psychopathe. Il faut suivre un traitement. Quand j'ai écouté ce que Nadège disait, moi, me suis tombée des nues. Que merde. Comment l'angoisse ment comme ça? Hein? Comment tu peux être avec quelqu'un, tu manges avec la personne et tu mens comme ça? Je t'ai envoyé un voice où Nadège parlait après qu'on tient ambassade. Je t'ai dit que Nadège en te parlait et ta voix vient après. Qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que je t'avais dit? Pourquoi tu parles de moi? Tu m'as dit non, je t'ai envoyé le voice. Et tu as commencé à t'attaquer avec Nadège et tu as commencé à me renvoyer le tout. Tu m'as dit que Nadège m'a dit, t'as dit qu'elle m'a donné 500 euros. Oh, qu'elle t'a envoyé. Ça dit que tu dis tous les jours que Nadège t'a dit qu'elle m'a donné 500 euros quand j'étais au Cameroun. Elle m'a envoyé 500 euros. Oh, pendant quelques oui, quand elle t'a dit ça, c'est ça qui t'a fait être en contact avec Nadège. Ça dit que tu veux toujours. C'est pour ça qu'elle dit que s'il y a des excuses à faire, j'en veux à Nadège parce qu'elle était en contact avec toi. Elle ne m'a jamais dit parler bien avec elle. Oui. Et tu m'as fait savoir que non, c'était seulement oui. Alors que tu mentais. Quand tu sais que tu as les confidences comme ça avec quelqu'un, pourquoi tu vas accepter la guerre? On t'a demandé que ce que tu dis sur Nadège, tu es sûr? Tu as dit oui. J'ai dit que tu as les preuves, tu as dit oui. On t'a demandé les preuves jusqu'à on n'a jamais vu. Tu as envoyé seulement où tu parles à Nadège, tu as envoyé ses voix, comment tu l'as enregistré? On t'a demandé, tu as les preuves. Tu parles à toi et à travers. Je t'ai dit seulement que arrête quand tu es en contact avec les gens de parler de moi. Tu m'as dit que non. Je t'ai dit envoie donc la preuve. Tu m'as dit que oui, elle parle de toi alors qu'elle m'a dit l'autre jour, elle a envoyé 12 000. Oh, c'est monté, c'est descendu. Voici les captures. Je parle avec son enfant. Oh, c'est monté. Hein? Machin, tout ça là. Parce que tu voulais déjà, tu voulais le clash avec elle. Depuis. Oui. Moi, il n'y a que trois choses. C'était l'accumulation. Que quand j'ai écouté ça, j'ai cru. Sinon, s'il fallait que clash Nadège depuis, je devais venir lui dire que, mais comment tu parlais, dire que la police t'a montré que, oui, tu es une manipulatrice. Et par cette occasion, je dis et je l'assume. Tu as compris? Dis à Nadège, je m'excuse auprès d'elle. Parce que j'ai réagi en lui disant, pas en insultant ses enfants, en lui disant, par rapport à tout ce que tu me disais que Nadège parle sur, j'ai dit à Nadège de s'occuper de sa vie et d'aller s'occuper de la vie de ses enfants. Parce que c'est toi qui m'as envoyé la photo de M. Dika. Tu m'as dit comment c'est pas ta relation qu'elle a reconnu l'acte à toi. Je t'ai demandé juste une preuve que ce que tu as te raconté là, tout ça là. Compressor même t'a demandé. Moi, c'est moi qui ai dit à Compressor que Ko, Mako, ne parle plus de ce problème. La fille la ment. T'a dit à Compressor. Compressor t'a dit que donne l'acte alors que tu as dit que il y a le nom, le prénom de Flore dessus. Dans le papier que tu m'avais envoyé, c'est un faux papier. Je t'ai dit que toi m'envoies que Compressor te demande la preuve pour savoir que tout ce que tu dis de la DG là. Tu as envoyé l'acte là, il t'a dit que. Ah bon? Pourquoi tu mens comme ça? Tu dis maintenant qu'on t'a dit de faire pour prouver. Compressor, je dois pousser pour approuver à Compressor.
Parce que tu veux cogner les têtes des gens. Tu es sérieuse, toi? Tu manques comme tu respires. En fait, le problème, c'est que hein, j'étais bloquée. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 ou 3. Ça fait 3 jours, j'étais bloquée. Il a dit que... Hein, parce que j'ai écouté un direct où tu... Nadège, on dit dans le direct que tu avais dit que ma mère était folle au Cameroun. J'ai dit que maman, quand on voit ma mère, la façon que... Tu as osé dire ça à ma mère. De ma mère. Tu as osé parler de ma mère, maman. Tu as déjà vu ma mère où? Tu l'as déjà vu un jour de ta vie? C'est où j'étais dit que tu as osé parler de ma mère. Tu veux raconter si tu parles. J'étais bloqué. Tu as dit que non, tu n'as jamais dit ça. J'étais bloqué. Après, tu m'as envoyé le message. Tu m'as envoyé les longs messages. J'étais qui ne veut rien savoir. Je ne veux plus de contact avec toi. Parce que tu es une manipulatrice. Parce qu'elle a déjà dit des choses que j'ai reconnues dedans. Et où j'étais bloqué que plus jamais. Quand j'ai fait la sortie l'autre jour et que j'ai dit qu'il y a des gens qu'on n'assume pas. Tu as dit que toi, on ne t'assume pas. Oh, il faut que pourquoi je mens sur toi, c'est monter, c'est... Tu penses tu peux m'intimider. Tu es malade, toi. Tu peux m'intimider. Tu peux m'intimider. Tu habites où avec moi? Mets la preuve de chez moi où tu es déjà passé. Hein? Te connaissant, tu ne peux pas. Si tu étais là, entré chez moi un jour, tu vas prendre comme ça. Je suis chez quelqu'un. Tu vas prendre comme ça. Tu vas dire que, oui, elle n'est pas là. Voici. Le chez elle, voici sa chambre, elle n'est pas là, tu gardes comme balle. Espèce de vendeuse de piment sans rien. Tu as compris? Les faux profils, c'est toi. Tu dis, tu osais dire que toi et moi on utilise le faux profil ensemble. Maman, moi je comprends. Pourquoi tu veux tout m'associer dans tes choses? Si elle veut créer un faux profil, je n'ai même pas de faux profil. Je n'ai jamais eu le faux profil dans ma vie depuis que je suis sur Facebook. Je n'ai jamais eu le faux profil. Mais tu es normal, toi. Maman, si ton cerveau est dans le chicken tree, c'est ton problème. On peut faire des choses par fantasme. Si tu es calé dedans, j'en ai rien à foutre de toi. Je te dis maintenant, je te dis demain et après-demain, que tu ne seras jamais assumé. Tu es une manipulatrice. Hein, Marie, ça a fait que tu sais tous les noms des gens. Pourquoi tu mens comme ça? Comment une personne, j'ai écouté en direct, où tu dis que tu n'as jamais demandé la CAF parce que je t'avais dit que avec tes papiers, tu ne peux pas demander. En Europe, quand tu as un an, même avec le récépissé, on a les droits de certaines choses. Pourquoi tu es menteuse comme ça? C'est Marie-Lou qui t'a appris comment on fait la CAF, tout ça. Dis que tu ne connaissais pas. Tu dis que Flo m'avait dit que... Ça dit que quand tu marches, tu as les tremblotes. Tu as les tremblotes parce que hein, tu as tellement fait du mal que tu as toujours peur. Depuis des années, je t'ai pas vu. J'étais revue quand tu as accouché. Après quelques temps avec ton accouchement. Compte le nombre de fois qu'on s'est vu. Je ne suis jamais restée plus de 3 jours. Où tu es? Un jour, je t'ai vu quelque part. Je t'ai vu quelque part. Parce que c'est ce que Nadège a raconté. Tu sais, quand quelqu'un parle, quand il y a la vérité, tu connais. Et t'avais dit que qui est au courant que toi et moi, on s'est vu? Tu m'as dit personne. Tu as juré que personne. Alors que quand on s'est vu, tu disais à Nadège, quand Nadège a raconté, j'ai reconnu. Oui, quand Nadège a raconté, j'ai reconnu. Là où je t'avais vu, que tu es descendu, que tu t'en vas fumer. Ouais, parce que c'est devant moi que tu as appelé Nadège. Tu as commencé à crier. Oh, est-ce que j'ai dit que... Parce que c'est le jour, il n'y a pas longtemps que je suis que tu étais en contact avec Nadège. Je m'ai envoyé un voice à Nadège. Je lui ai dit, mais... Qu'est-ce que tu fais tout derrière mes amis? Tant. Et je ne savais pas, j'étais surprise. Quand j'ai su que tu connaissais, c'était un choc. Moi, j'étais étonnée le jour-là. Et ce n'est pas parce que j'ai su que quand Yvette m'avait envoyé le message que parce que où j'étais avec toi, n'a déjà su. Et ça se retrouvait dans les oreilles
d'Antoine Bachot et de Yvette. Yvette m'a envoyé un message gentiment en disant que la personne avec qui tu es là, la personne est en contact avec Nadège. Fais attention à toi. J'étais regardé comme ça, j'étais étonné. J'ai lu le message, c'est un texto. Que fais attention là où tu es. Parce que quand je dis que là où tu es, je reconnais où je suis. Je te demande que qui connaît. Parce que Nadège, tu es en contact avec Nadège, elle a nié. Je peux m'appeler Nadège. Non, je ne la connais pas. J'ai dit que non. Où je suis ici avec toi? Comment Yvette et Antoine Bachot ont su? Tu m'as dit que non, c'est que c'est une grande qui m'appelle souvent comme ça. Je n'ai même pas fait de ça un problème. Je t'ai dit non, c'est pas grave, mais fais attention à toi. Parce que tu sais que moi, les histoires de Facebook, je n'étais même pas crié rien. Mais tu es parti faire quoi, Nadège? Que oui, elle m'a tapé. Oh, ma chérie, pourquoi tu m'as tiré quoi? Je te tape que quoi? Tu es en contact avec elle, elle te dit fais attention, ça s'arrête là. Tu es descendu, tu as commencé à faire le bruit. Parce que tu pensais qu'il est venu sur Facebook, tu dis que oui, Nadège. Mais j'ai dit que non. Tu es en contact avec elle, tu as nié, tu m'as jamais dit. N'est-ce pas, tu m'avais dit que tu n'es plus en contact avec les gens de Facebook. Et tu m'as dit que tu t'en vas fumer. Nadège a raconté la scène là, c'était vrai. Et tu as commencé, tu l'as appelé, tu as fait croire comme si je t'avais menacé, alors que non. Là, vous dites que Alex, Alex, moi je connais même pas les noms. Mais quand elle a donné la description, j'ai su. Je suis restée là-bas 2 jours et je suis bien démarrée, je suis partie. Je t'ai dit que non, j'ai un truc à faire parce qu'elle était en train de fuir. J'étais en train de fuir. Je suis partie à 2h du matin. Quand ça s'est passé comme ça que j'ai su que... Parce que tu es le serpent. À 2h. J'ai dit que je vais partir, je reviens. Parce qu'avec toi, non, il faut fuir doucement. Sinon, tu risques de dire les choses inventées. Oui. Le même, je dis que au revoir. Si c'est que c'est parce que tu étais en... le problème de Nadège et Yvette Gomatip, avec Antoine Bachot, n'a rien à voir avec ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a prévenu et j'étais confrontée. Parce qu'elle pouvait dire on. Je t'ai dit non. C'est Yvette qui m'a dit. Parce que tu as dit non, 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 je n'ai jamais. Parce que quand tu nies, hein, maman, tu jures. Ne jure plus tous tes enfants. Hein. J'ai compris comme ça. J'ai dit que le genre, c'est parce que tu es le genre de personne que quand tu fuis, il faut fuir en paix. Mais le tout, si j'ai dit que je ne te fuis pas en paix, dis ce que tu veux dire. Quand on me dit qu'il y a un voice, donc en fait, le voice qu'on disait qu'il y avait, c'est quand tu es donc descendu que tu pars, tu as même duré. Mais tu as appelé que, mais tu es où depuis? C'est comment? J'ai acheté tes cigarettes. Tu as dit que non, j'arrive. Ma chérie, tu as raconté une histoire. Est-ce que j'étais, tu peux poster ou bien, est-ce que moi j'ai crié? Est-ce que j'étais tapé ou quand? Tu as envoyé les vieilles photos d'avant là. Quand tu as envoyé ça. Oui, oh, pardon, je ne veux pas qu'elle soit au courant. Tu as appelé, tu as fait comme si je voulais d'ailleurs te tuer parce que tu as en contact avec Nadège. Je ne refuse pas. Mais préviens-moi, Nadège n'est pas mon ennemi. Oui. Mais parce que tu voulais absolument. Ça dit que tu as envie toujours de faire quoi aux gens tellement je t'aime que, oui, si tu vois pas là, je vais te taper. Pourquoi? Tu as ta vie. Je t'ai dit que hein, si c'était que j'étais en couple avec toi, c'est que tu ne peux pas me dire que oui, voici la personne avec qui je suis maintenant. C'est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Je te conseille toujours que non. Tu sais, quand tu es en contact, fais attention. Ne fais plus, ne raconte plus ta vie à tout le monde. C'est ce que je te dis toujours. Même quand tu veux souvent parler des gens, je te coupe. Et tu le sais, je ne parle pas de mes amis. Je n'aime pas trop les histoires qu'au téléphone. Tu m'entends dire, oui, tel avait fait que tel avait fait. Je t'avais reproché de l'époque. Je t'ai dit, comme je parle avec toi, je ne veux plus qu'après, j'entends à tel, oh, tu as fait ceci. Tu dis que non, j'avais appelé Lolo parce que comme tu m'avais clashé, j'étais déjà clashé quand. Je t'avais dit, à l'époque où tu étais en contact avec Lolo, j'étais en guerre avec elle. Je t'ai dit, tu ne peux pas être avec, même avec compresseur. Je t'ai dit, tu ne peux pas dire aimer une personne. Comme tu fantasmes que tu peux te tuer pour moi. Et être en contact à cette époque. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus mes ennemis. On n'est pas obligé d'être amis. Mais chacun respecte son couloir. Je n'ai jamais été en couple avec toi.
Et ça jusqu'à la fin de ma vie, je te le dirai toujours. Tu peux prendre la corde, tu mords au cou, tu sautes. Tu me racontes tes déboires, tes déboires. J'ai mon homme. J'ai mon homme. Tu vas mettre la corde sur mon cou pour dire que je suis en couple avec toi. Je ne suis pas en couple avec toi. Je suis désolée. Tu manques beaucoup. Et ça t'apporte quoi? Tu as voulu parler de Prince Mouchili. Je t'ai dit que moi, je ne le connais pas. Oh, c'est lui qui avait dit que, à moi, c'est l'autre jour que j'apprends dans le direct, que tu dis que, oui, c'est Nadège qui avait dit que, parce que tu me tues à moi, avant le direct de l'autre jour, c'est dans le direct l'autre jour, que j'ai compris le nom de Nadège, que oui, c'est Nadège qui avait écrit le poste, alors que tu mens. C'est pas parce que tu appelles jamais, quand même, tu parles qu'elle va devenir repliquer que non, c'est qu'elle a dit que c'est une gamine. J'ai parlé de ton histoire, j'ai fait la croix dessus. À l'époque, ça dit que quand j'ai repris contact avec toi, tu m'as dit que non, c'est Prince Mouchili, oh, c'est monté. Tu as voulu dire que non, je ne le connais pas. Avant, j'étais amie avec lui sur WhatsApp, j'ai même bloqué parce que vraiment, je ne veux pas les prendre. Parce que tu m'avais dit que c'est Prince Mouchili qui t'avait dit que mes habits que tu avais, ce n'est pas parce qu'on habitait ensemble. Non. C'est le genre que quand je voyageais, je te donne mon sac. Que comme je suis en train de voyager, j'arrive à l'aéroport, je te dis que tu peux rentrer chez toi avec. Tu resteras Rupero, mon esclave. Pas ta méchanceté derrière moi, Abby. Qu'est-ce que tu me veux? C'est toi qui parles avec tous les... Tu ne sais pas, ou bien quand tu es en contact avec un comédien, tu crois que ça m'impressionne. Ton nom sur mon téléphone, c'est Serpent à mille têtes. L'autre, c'est écrit Vampire. Pourquoi tu mets sur ton téléphone mon amour? Tu mets sur mon amour de quoi? Sur mon téléphone, c'est écrit sur ça. Tu as deux, j'ai écrit l'autre Serpent à deux têtes. J'ai écrit l'autre Vampire. Tu m'as écrit sur ton téléphone mon amour, pourquoi? Tu fantasmes sur moi, pourquoi? Je te donne le conseil par rapport à tes relations. Tu as compris? J'ai écrit mon amour. J'ai écrit sur mon ton nom sur mon téléphone, c'est Serpent à deux têtes. L'autre, c'est Vampire. Tu vas sur ton téléphone, tu écris mon amour, tu captures, tu m'envoies. Oui, j'ai écrit mon amour. Et puis, ça me fait quoi? Tu peux m'aimer comme beaucoup de gens m'aiment. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais je ne t'aime pas comme quelqu'un avec qui je parle une relation. Tu es trop sale pour moi. Et tu es trop manipulatrice. Tu penses que... Eh bien, les mon cœur, oui. Les mon cœur, le cœur de quoi? Tu as les démons cœur que tu écartes au camion, tu te branles, non? Moi, je me branle, moi. Moi, je vais toucher, c'est la chair. Tu resteras esclave d'un gars toute ta vie. Sur mon téléphone, tu es que vampire. Tu as compris? Une fille qui fait un mois ne chie pas. La sorcellerie qu'il y a dans ton ventre, il te dit bois du Colax. Tu fais le waka. Il te dit que quand une femme fait le waka, avec un seul habit du 1er au 31, la robe rouge que Nadège dit là, j'ai vu. Tu portes que ça, tu ne laves pas. Quand le client t'appelle, tu sors comme si tu sortais du champ. Tu ne te laves même pas. Il ne voit pas que tu sens la cigarette. Quand on entre chez toi, on soit avec les cheveux qui sentent. Tu ne sais pas qu'une femme se lève, elle se lave les dents avant d'aller tailler les bons cas. Tu ne dors jamais. Tu fais un mois, tu ne chies pas. Tu te dis prendre du Colax. Une femme qui fait un mois ne chie pas. Le ventre est comme ça. Tu veux pas que c'est fait la pute. Tu vois parce que les vrais putes ont fait. Une saleté comme ça, une sale chose, ouf, dégage, je ne vais jamais t'assumer. Et si j'étais bisexuel, c'est pas avec toi. Tu es trop sale, tu m'excites pas, sale chienne. Et à moi quelqu'un, non, attends, tu parles que la réunion a fait que tu m'as dit, tu as ta soeur, je ne t'ai jamais envoyé l'argent de la réunion. Je vais faire les captures d'écran. Tu m'avais dit que prenait en septembre. J'ai dit, ok, c'est bien. La réunion, c'est 200. Je ne connais même pas.
J'envoie toujours à la dame que où c'est l'escroquerie que toi, tu me fais, je ne sais pas. Mais cette fille, elle lui fait confiance parce qu'elle la connaît. Ma pépé m'appelle, maman ma coach, je suis en direct. Dites-lui que je suis en direct. J'envoie 200 euros, c'est Anita, c'est à elle que je paye. Parce que je lui avais dit que je veux bien traiter avec toi. Parce qu'elle te connaît, je lui avais dit que je prends quand elle m'a dit 7 ans. Quand 7 ans, tu commences à me faire chanter que oh, tu m'avais cotisé. Elle dit, tu m'as cotisé quand? Tu dis que non, la première fois qu'elle était inscrite, cotisée. Tu me dois 200 euros. Je t'ai dit que tu me dois 100 euros. Parce que la dernière fois qu'elle était, j'ai oublié mon argent, 100 euros. Tu as filmé, tu m'as envoyé, tu dis que va m'envoyer à la poste. Tu m'as dit que tu as utilisé. Je cotise 200 euros. Je t'ai dit que tu ne chies pas. Ton ventre, tu fais un mois, tu ne chies pas. Je t'ai dit que, hein, comme tu as décelé la vente du piment, sois même un peu, sois sexy. Tu as les longs seins comme le... C'est-à-dire que tu as les longs seins à plat. Tu as les longs seins. Les longs seins qui arrivent au pied. Tu ne peux pas me faire le chantage. Je vais t'expliquer. Je vais parler. Parce que tu es qui? Tu penses parce que tu as fait une sortie dans le noir, tu as parlé que... Tu crois que ça change quoi ma vie? Je t'avais dit que refais-toi la poitrine. Fashion police Congo, ça. Peut-être c'est même toi. Je t'avais dit refais-toi la poitrine. Je t'amène en Turquie. Tu te refais la poitrine. Tu as déjà 4 enfants. Tu te fais sexy. Si tu as choisi qu'un... J'ai dit que sois sexy, dépense ton argent pour toi. Tu m'as proposé la réunion. Parce que normalement, il devait aller en Turquie. Tu m'as dit qu'il prenait en septembre. Après, tu m'as commencé au chantage. Que, oh, parce que moi, je ne connais même pas les gens. Je connais seulement une personne à qui j'envoie mon argent. Je t'ai demandé que, mais, tu m'as dit qu'il prend en septembre, non? C'est comment alors? Dis qu'on me donne alors en septembre, comme tu m'avais dit. C'est 200 euros. Ça devait sortir. Ou c'est 2000. Ce n'est pas petit. Comme tu fais souvent le chantage. Non, vraiment, je n'étais pas cotisé parce que tu me dois. Je dis que comme tu ne m'as pas cotisé, je ne prends pas mon argent de mission. Si elle te doit, je vais bouffer et te donner ce que je te dois. Tu m'as dit que tu vas appeler. Hein? Oh ben, j'ai dit qu'à la fille, hein, je ne veux plus parler de la réunion avec toi. Parce que ce n'est pas toi. C'est à elle que j'envoie mon argent. Je lui ai dit que moi, je prends quand? Elle m'a dit le mois prochain. Coco, tu es foncièrement méchante. Non, je ne prends pas le téléphone parce que je n'ai pas deux téléphones. Maman Pépé, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux donner son numéro pour que Compression m'appelle sur ça? Parce qu'elle m'appelle. Non, je ne coupe pas encore. Ouais, Laura Queen, laisse-moi finir un peu. Je t'ai dit que la réunion là que tu es dedans, moi je vais prendre ma part, je vais faire telle chose. Tu m'as dit que... Je t'ai dit que fais-toi ta poitrine. Regarde une de nos connaissances avec qui tu tires la valise. Parce que là où tu dis que tu étais avec la personne. Si on appelle, je vais appeler Fabrice. Il t'a dit que regarde comment elle est devenue. Regarde comment elle est belle. C'est un homme. Vous savez cette personne que vous traitez qui est belle. Parce qu'elle a refait. Il lui reste seulement de couper. Je t'ai dit que fais-toi belle. Occupe-toi, entretiens-toi. On m'a déjà vu un jour, même à Paris, aller boire un verre avec toi. Depuis des années que je te connais. Parce que tu ne pensais jamais assumer, même pour boire une bière. Tu resteras qu'enfermé dans l'appartement, comme tu tournes là. Tu fumes ton départ, tu montes, tu descends. Si tu ne fais pas ta vie, c'est mon problème. Tu ne dors pas, c'est mon problème. Ce sont les mauvaises choses que tu fais. Les mauvaises choses que tu fais. On m'a déjà croisé avec toi. En dehors, comme à une époque, tu étais tellement sale. Je t'ai amené à Château Rouge, te coiffer, on nous a vus ensemble. Tu as fait la photo, c'est la photo là que tu brandis, c'est la seule photo que toi et moi on a. Et à l'époque, quand j'étais à Lille, on avait une photo comme ça, ensemble. Qu'on a une photo. En dehors de ça, tu brandis, tu fais ceci. Mais attends. Une fille qui ment même sur les... Que tu n'as pas honte de dire que ton enfant, de raconter que ton enfant la capote. Ya, à moi tu as dit qu'insémination. Quand maintenant on vient te dire ça, tu as mal pourquoi? Une prostitute reste une prostitute. Tu accuses un client d'avoir enceinte. Je t'ai dépassé. Si je ne voyais pas les photos... Oulule, j'ai vu les photos, comment une femme enceinte peut vendre le piment, maman. L'enfant va ressembler à qui? Tu
es parti en Roumanie. L'enfant, c'est l'enfant. Tu es parti en Roumanie. Où c'est en Roumanie, les Roms? Tu es parti en Roumanie chercher l'enfant. Tout ça. Tu dis que tu as désiré l'enfant. Que Dieu me pardonne. Tu as toujours voulu faire l'enfant parce que tu croyais que ça va changer ta statut de réfugié. Parce que si tu aimais trop cet enfant, c'est que tu ne vends pas le piment. Jusqu'à aller vendre le piment dans la chambre de l'enfant. Soit disant que l'enfant dort. Tu as couché l'enfant parce que tu voulais changer ton statut de réfugié. Tu es parti en Roumanie. En Roumanie, Roumanie, les Roms. Tu es quitté, prends le bus pour aller en Roumanie. Je vais vous expliquer les Roumains. Hein? Les Roumains, c'est ceux qui quémandent là. Les Roumains. Parce qu'il y a les Roms et il y a les Roumains. Elle est partie faire l'enfant. En Rome, les Roms, les Roumanies, ceux qu'on appelle, ceux qui sont souvent, qui viennent en France profiter des allocations familiales et ils fuient après là. Ils sont souvent, ils arrachent les sacs. Tu mélanges l'enfant dans tout. Tu penses que tu es un enfant que tu ne laves jamais ses habits. Tu mets dans les fûts, les fûts, les fûts, tu achètes. Ça dit que apprends à laver les habits de l'enfant. Tu as compris? Apprends à laver les habits de l'enfant. L'amour pour un enfant, c'est lui donner l'amour vrai. Ce n'est pas en rentrant, tu achètes les habits dans les. Tu achètes les chaussures, tu finis. Ce n'est pas l'amour, ça. Assieds-toi chez toi. Tu profites des enfants que tu as. Dis qu'on aime ses enfants. Il y a une dame que j'avais dit que prends une femme de ménage. Tu as pris une personne qui est venue chez toi faire le ménage. Tu n'as pas payé jusqu'à ce que vous avez fini par bagarrer. Une personne qui dit qu'elle a conçu la maison à une dame au Cameroun, qu'elle envoie 600 000 tous les mois. Entre temps, je t'ai dit, prends une femme de ménage si tu ne sais pas faire le ménage. La fille est venue pour faire le ménage sur toi jusqu'à tu n'as pas payé. Tu n'as jamais pu payer la fille. Tu as commencé à la transformer pour la rendre en vendeuse de piment. Une autre, tu as bagarré. Hein? Une autre, tu as fini par. Une vraie femme que tu dis que tu es femme, tu prends une femme de ménage dans le noir. Prendre quelqu'un dans le noir pour s'occuper, tu t'as dépassé. Fashion Poly Congo, ça c'est toujours elle. Hein? C'est une personne qu'elle aime tellement qu'on parle de. Si tu ne peux pas dire que tu donnes 600 euros, tu fais quoi aux gens que tu donnes 600 euros à une dame au Cameroun qui a conçu sa maison de la sueur de son front alors que tu es incapable de payer dans le noir? Tes soeurs Bamou, tu les as utilisées. Tu n'as pas payé. Il y a plein qui te réclament les 100 euros, les 200 euros, mais c'est malheureux. Et tu me fais croire quoi aux gens? Montre-toi d'abord, avant de dire comment tu t'occupes de tes soeurs, montre-toi qu'on voit. Lave ta maison aujourd'hui, tu nous refais un direct, s'il te plaît. Elle fait même quoi que je garde souvent son enfant chez moi, avec ma mère, elle n'est jamais venue chez moi. C'est un vampire. Jamais vu ma mère comme ça. Si elle est déjà venue voir ma mère, c'est qu'elle aura une photo. Mais je l'ai déjà appelée sur WhatsApp que maman, salue ma fille, là, voilà. La mère a parlé que salue la fille par WhatsApp, que tu l'enfant, que salue l'enfant. Parce que tu as dit que c'est mon enfant. L'enfant, c'est l'enfant, non, maman? Quand tu es le père, non, maman? L'enfant, c'est l'enfant, on ne choisit pas. C'est mon enfant. Si tu as l'enfant avec moi, pourquoi tu me sabotes? On sabote le père de son enfant. Hein? C'est de la méchanceté et la perversité. Tu es une mytho. Tu peux, c'est-à-dire que tu peux cogner toute une vie comme ça, tu tues. Tu vas arriver chez toi. Peu importe, tu me connais. Je vais monter un client, hein? Je vais récupérer ta comme ça, ta. Je vais verser l'eau sur toi et filmer sur Facebook. Et personne ne va rien me faire. Moi, tu me connais. Une sanguinée. Je vais te faire. Donc, Yannon, tu vas fuir la vente du piment. Tu vas aller en retraite foncée. Tu sais déjà que. Tu connais déjà que partout où tu vas entrer vendre le piment, chez qui tu seras, je vais te retrouver. Moi, je dis ça.
Tous les gars que tu peux vendre le piment chez eux là, tu n'entreras plus jamais chez quelqu'un. Tu as signé la retraite comme ça. Tu vas manger quoi? Quand tu gagnes l'allocation 2000 euros, et tu fais quoi avec? Je te prépare un coup. Tu as compris? Et tu n'auras jamais la télécommande. La télécommande, c'est moi. Et le dernier mot, c'est moi. Je vais te donner ça propre. Tu seras arrache-clou. Je vais venir comme ça. Je te préviens déjà que quand les clients t'appellent, je ne sais pas comment vous faites. Je vais te chercher. Facebook, ça, c'est rien. C'est que tu as fait là. Oh, dis donc. C'est quelque chose. Je vais monter une gare. T'appelle. Puisque tu es une lécheuse, non? Je vais monter le coup. Si une gare t'appelle pour dire qu'elle veut venir te goûter, une fille qui fantasme avec le... Tu es un homme ou une femme? S'il te plaît, est-ce que tu peux, avec tout ton argent que tu dis que tu as, dans, elle manque même qu'elle a la mini-cité. Mais les photos, on voit. Tu as menti, mais aussi, Nadège. Je me rends compte que... Nadège, je m'excuse auprès de toi pour mon geste. Depuis que j'ai parlé avec ta fille, c'est où j'ai dit qu'elle... Parce qu'elle pleure. C'est pour ça que je n'avais pas mis. Tu as compris? Quand j'avais parlé avec ta fille, j'ai écouté ses pleurs. C'est où je suis restée tranquille. Cette fille m'a envoyé des choses pour que je te clash pas. Mais elle a vu qu'elle ne suis pas tombée. Et elle a fait ça avec beaucoup de gens. Nadège, tu es une femme, tu es une mère, tu es une femme comme moi. Je te demande pardon. Je te dois des excuses. Et tu me dois des excuses d'être avec cette vampire alors que tu es en contact avec toi, tu ne m'as pas dit. Tu comprends? Tu osais mal parler du père de ton enfant qui est moi. Puisque tu es enceinte, j'ai le spermatozoïde pour t'enceinte. N'importe quoi. Regarde-moi une personne. Ça dit que moi, il y a des choses qui m'étonnent. Ma, on est en France, non? Ou bien tu pars, tu déménages, tu pars en Belgique, tu cherches une femme qui va t'assumer, vous marchez ensemble. On m'a déjà vu boire une bière avec toi. Et langue noisoute. Et ne prions pas. Je t'ai dit. Là. Tu comprends? Et je te dis et je te redis. Encore aujourd'hui. Je t'ai dit que moi, tu as arrêté. C'est-à-dire que c'est maintenant que ta vente du piment a pris fin. Tu ne vas plus jamais vendre le piment nulle part. Je vais te pourchasser. Tu as compris avec toi? Tu as compris? Je veux que tu comptes le nombre de fois. Je vais te dire. Je veux que tu comptes le nombre de fois qu'on s'est vu. Parler au téléphone. Je veux que tu comptes le nombre de fois. Quand tu m'appelles, il faut que je. Ça dit qu'avec toi, je n'ai même pas à prouver quoi que ce soit parce que tu es une saleté. Tu es tellement de mauvaise foi. Tu me parles le nom d'Alex. Je t'ai bloqué, ça fait peut-être 3 jours. Ce n'est pas là, ne fais pas la force avec toi. Tu as compris? Si tu tiens les autres au chantage, tu racontes tes conneries. Tantôt, tu dis que, regardez les choses, elle dit que lui verse la pension alimentaire 300 euros par mois. Parce que j'ai ma part pour manger, ce que je dois lui donner. C'est ce qu'elle raconte aux gens. Hein. Tu parles de moi souvent pour te vanter. C'est-à-dire que pour te faire voir, j'ai tellement, je m'occupe bien de l'enfant. Oui. Flo m'envoie 300 euros tous les mois. Donc tu vends le piment et t'as... Maman, tu as trop d'amour pour moi, mais... Tu m'aimes tellement que c'est devenu... Tu es devenu perverse. J'ai arrêté de traîner à l'époque à cause de toi. Parce que tu prenais ta vie pour me fouiller. Un jour, tu m'as trouvé dans un hôtel. Tu me dis, tu as fait peut-être faire 8 heures de transport. Tu arrives, tu me fouilles. Tu appelles toute une ville. Oui, je cherche une fille, elle est comme ça. Tu arrives, tu me trouves, tu dis que, pardon, envoie ta main, c'est main dehors. Je veux juste sentir ta main. Je veux juste sentir ta main. C'est quoi? Ton mari
Rabou a dit que si tu ne... C'est pas possible. Tu envoies le nom d'une autre femme comme toi chez le marabout pour l'angoisser. Mais ça ne marche pas. Parce que si le marabout marchait, ce qui n'est pas assumé ton bonjour. Jusqu'à présent, je n'ai jamais bu un verre avec toi. Je ne t'ai jamais assumé même comme une amie. Tu es tellement méchante. Et les gens qui me disent du courage de quoi? Allez, pardon. Maman, j'ai déjà dit, Érodique, hein, tu resteras que dans le noir. Tu as compris avec quoi? Tu envoies le nom d'une femme comme toi chez marabout. Je n'ai jamais, je dis que hein, si on veut parler que pimenterie, que escorte, la fille là m'a poussé juste depuis 2015. J'ai déposé le tirement des valises. J'ai déposé. Parce qu'elle me pourchassait que hey, maman. Elle me suivait partout. Et que... Elle me traumatisait. J'ai dit que je m'en vais en retraite. Tu vas prendre la retraite. Tu vas prendre la retraite forcée. Arrête de souiller tes habits. Je suis une star. Les fans de Lady Ponce n'ont jamais dit qu'un. Dans la vie, on a toujours quelqu'un d'entourage qui va venir vers ceci. Les fans de Lady Ponce n'ont jamais dit que tu souilles les ponceuses. Alors, si les abeilles ont trouvé qu'ils vont faire le débat sur moi, c'est leur problème. J'ai ma vie privée comme ils ont leur vie privée. Je n'ai pas à me justifier sur quoi que ce soit. Mais quand ça arrive, il faut assumer. Ça arrive sur Star, non? Et je lui dis qu'elle vient encore baisser plus que ça. C'est tout. Victime. Hein? Ce que tu as raconté, ma chérie. Ce que tu racontes, tu veux, oh, Amel Kamé, tu veux faire ci, tu veux cogner les têtes. Amel Kamé reste mon ami aujourd'hui, demain et après-demain. Si je vends le piment, je vends les poivrons, je fais n'importe quoi. Je n'ai pas à lui dire ce que je fais parce que c'est ma vie. Ce n'est pas parce qu'on est ami avec quelqu'un que si tu montes, tu dis que tu montes, si tu descends, tu dis que tu descends, non. J'ai dit qu'un. Amen, Kamer, je n'ai pas à lui dire si je suis arrivée ici ou je suis arrivée là-bas. Parce que c'est ma vie privée et ça me regarde. Tu me fais le chantage, tu dis que on était chez Amen, Kamer, c'est mon qui s'est descendu. Tu penses que c'est en disant comme ça que ça va changer quoi? Je suis Fleur de l'île. Je reste demain. Si j'étais chez Amel Kamé, supposons, et que je n'ai pas voulu qu'il sache que j'étais chez lui, c'est de mon droit. C'est de mon droit. Si c'est ce que tu voulais tenir comme chantage, ça ne change rien. Pourquoi tu prononces le nom d'Amel Kamé? C'est lui qui t'a loué la maison. Il ne t'a jamais loué la maison. Il ne t'a jamais loué la maison. Jamais. Jamais. Il n'a jamais su que tu vendais le piment. Si tu t'es retrouvé, il n'a jamais su. Et même si tu peux vendre le piment chez quelqu'un, tu cherches quoi dans sa vie privée? À filmer ci, filmer ça. Je t'ai dit, je t'ai interdit de parler de lui. Tu m'as juré. Tu as dans sa vie privée, pourquoi? Tu cherches quoi dans sa vie? Tu penses que tu peux nous mélanger? On peut parler. Tu dis que oh, c'était monté, c'était descendu. Je vais te dire la vérité. J'ai tout eu pitié de toi. Mais dis que de l'amour pour toi. Parce que tu m'as tout fait croire comme telle te menace, telle te traumatise. Oh, il y a une fille comme ça. S'il fallait écouter tout ce que tu racontes. Tu as voulu me causer les problèmes avec compresseur. Tu pensais, j'étais, tu m'as dit à moi que oui, j'étais là-bas, compresseur. Alors que t'es. Hein? Non, tu connais menti. Oui, compresseur connaît jamais quand elle a déjà travaillé là-bas. Tu étais avec elle. J'étais dit qu'elle ne veut pas entendre les choses, ce n'est pas vrai. Tu as raconté tantôt que tu as donné 5 000 euros à compresseur, alors qu'elle ne t'a jamais vu.
Pourquoi tu mens? Quand tu veux régler tes comptes avec les gens, pourquoi tu mélanges tous les gens dans ce que tu dis? Tu as quoi pour donner 5000 euros? Moi, je comprends. Va te faire les 5. Et t'as dit que tes 5 sont trop. C'est les billes. Tes clients doivent tirer tout ça. Une fille qui vend le piment sans se laver, maman. Tu dis que quand quelqu'un se lave, c'est monté, c'est descendu. Je t'ai acheté les produits pour te laver. Oui. C'est moi qui te chasse comme un enfant. Mais va te laver. Quand tu te laves, il y a les trucs qui sortent. Tu peux te laver, tu vas sous la douche une heure. Il y a les corocoro comme que tu... Quand tu fais comme ça, ça... Tu dis, mais lave-toi. Tu penses que c'est en faisant ça? Hein? Tu crois que c'est en faisant ça que les gens vont... Ceux qui vont me détestent. Ils ont leur vie privée, j'ai la mienne. Je n'ai pas donné l'explication à quelqu'un. Si on ne me voit pas boire la bière, c'est peu. Je ne suis pas obligée de dire que j'ai bu de la bière ce matin. Ça s'appelle la vie privée. Si j'ai caché, c'est parce que j'ai du respect pour les gens qui me suivent. Tu n'es pas le genre qu'on assume. Je suis en Guadeloupe. Et là... Tu vas pleurer plus que ça. Il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie que quand tu fais avec quelqu'un, même s'il y a quoi, tu ne dénonces jamais. Tu es très dangereuse. Parce que quand j'étais en clash avec Guylaine Chapu, c'est en ce moment-là même que tu as cherché un numéro, tu as commencé à entrer. Parce que moi, je ne la connaissais pas. Tu m'as appelé et m'a donné sa vie, que tu la connais correctement. Et bien, c'est grande soeur. Tu m'as donné... Pour que je la classe, c'est normal. Quand tu vas. Hein? Je t'avais décroché. Tu as compris? Tu es très dangereuse. Mon gars. C'est toi qui m'as donné tout. Que voilà comment elle est arrivée. Où tu as menti, tu as diversité le clash. J'ai raconté l'histoire correctement et bien. Tu mens comme tu respires. Tu es dangereuse, Béatrice Camden. Tu es très dangereuse.